بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره ليوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. On avait entamé la dernière fois ce début d'ouverture qu'a connu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'islam et les musulmans par conséquent. Ce début où l'on va commencer à s'orienter, à se diriger vers le hijra, vers l'émigration, vers le Médina. On avait abordé les grandes caractéristiques qui ont fait de le Médina la meilleure destination à laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il pouvait se rendre. Mais on avait surtout situé ça comme un début d'ouverture générale pour l'islam. Début d'ouverture qui avait d'abord commencé par l'Isra et le Mi'raj. Il avait d'abord commencé par l'islam des djinns. Il avait commencé par le retour facilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca après sa sortie à Taif. Début d'ouverture qui a pris quand même une grande ampleur par l'honneur que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'invitant à travers ce voyage nocturne dont on avait un peu discuté les récents épisodes. Mais si on considère bien entendu l'Isra et le Mi'raj comme une grande faveur, comme une grande ouverture, elle n'en reste moins axée sur la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui a été mis en valeur ici, c'est la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a été honoré, élevé en rang, en degré et en valeur. Bien entendu, le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam gagne davantage de foi, il gagne en conviction, en fermeté de l'engagement, etc. Bien entendu, indirectement, ça a des conséquences sur sa mission. Ça a des conséquences sur son travail, sur sa prédication et sur le terrain de da'wah. Mais quand même, l'Isra et le Mi'raj, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est mis ici en lumière. L'Hijra est la conséquence de tout ça. La conséquence de l'islam des djinns, la conséquence de l'Isra et le Mi'raj, la conséquence de ce que nous avions abordé tout au début de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Taif en disant qu'avec la fin de l'embargo, Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'était orienté vers une nouvelle phase de sa vie, de prophète et de messager, à savoir la prise de contact avec l'extérieur, qui s'est manifesté physiquement, géographiquement, par sa sortie à Taif. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté que de cela. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a accosté tous les étrangers qui venaient à Mecca, soit pour le commerce, soit pour l'Umrah, soit pour la saison du Hajj. Donc, le choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'émigrer vers le Médina a vu le jour, on en a parlé la dernière fois, mais concrètement, comment ce projet d'émigration a-t-il vu le jour? Suite à quoi? Quels en sont les éléments déclencheurs? C'est ce qu'on va commencer à aborder aujourd'hui, inshallah ta'ala. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tous les ans, il accoste les mu'tamirin, les gens qui viennent en Umrah, mais principalement les hujjaj, les pèlerins. Parce que c'est une occasion en or. Vous avez des gens qui viennent de toute la péninsule arabique. Ça veut dire, au lieu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se déplace, comme il l'a fait pour Taif, Taif qui est une ville pas loin de Mecca, ça va encore, c'est faisable, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, du point de vue logistique, techniquement, concrètement, il ne peut pas se permettre de se balader dans toute la péninsule arabique pour aller à la rencontre des chefs de ces tribus-là pour solliciter leur aide. Techniquement, logistiquement, ce n'est pas très faisable. Ce qui est néanmoins faisable, et ça remplit plus ou moins les mêmes objectifs, c'est que toutes ces tribus-là, ben, elles viennent à Mecca pour le Hajj. Donc on se doute et on comprend parfaitement que s'il y a bien un moment de l'année que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam attend impatiemment, c'est bien la saison de le Hajj, la saison de l'arrivée des tribus arabes de toute la péninsule arabique. Là, on a fini les événements de la 10e année. Là, on entame la 11e année de l'islam. Lors de cette 11e année, comme à son habitude, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant la saison de l'Hajj, il va à la rencontre des pèlerins. Particulièrement à Mina.
Mina, là où nous on va quand on va au Hajj, lorsqu'on passe la veille du jour de Arafat et les trois jours de Tashriq. Mina, c'est connu pour être quoi? C'est connu pour être l'emplacement où les pèlerins se reposent après tous les efforts physiques de l'Hajj. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il le dit, même une fois devenu messager, même pendant son Hajj, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ayyamu Mina, les jours de Mina, ayyamu aklin wa shurb, ce sont des jours de boire et de manger. Sous-entendant que après l'effort, en quelque sorte, il y a le réconfort. Ça veut dire qu'il y a toute cette synergie physique, cet effort pour le Hajj physiquement. Les jours de Mina, ça reste des jours de shukr, ça reste des jours de reconnaissance, de gratitude, avec quand même un rythme rituel très très faible comparé aux efforts des jours précédents. Donc ça c'est connu chez tout le monde, y compris à l'époque de l'Jahiliya. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il allait à Mina pour se balader en quelque sorte dans les rues de Mina entre les campements, pour voir qui est là, de quelle tribu, d'où vous êtes, etc., etc., etc. Alors le choix de Mina, il est déjà très intelligent comme choix. D'abord parce que les gens, ils sont au repos. Vous vous imaginez un peu si le jour de l'Eid, Yom al-Nahr, les gens, ils sont dans une, on va dire, effervescence. Vous ne pouvez pas dire aux gens, salam alaikum s'il vous plaît, avez-vous 5 minutes à m'accorder, j'ai quelque chose à vous dire. Non, les gens, ils sont turbulents. Les gens, ils sont là, entre se couper les cheveux, immoler le mouton, aller faire tawaf, il y a une grande agitation. Ce n'est pas propice à dawa. Pour peu, franchement, tous les frères et toutes les sœurs qui ont fait le hajj, on sait pertinemment tous que le jour de l'Eid, c'est le jour où c'est la course contre la montre. Donc il n'est pas pertinent du tout d'aller accoster les pèlerins le jour-là pour leur dire « Est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder? J'ai quelque chose à vous dire. » Ce n'est pas du tout pertinent. Deuxièmement, les autres jours de l'Hajj, ben, les gens ils sont occupés. Ben, moi je suis en train de faire tawaf, quand je le finis, ben, je pense qu'à une chose, faire sa'i. Lorsque je finis sa'i, je pense à une chose, aller me reposer. Mina, alhamdoulilah, c'est calme. Les gens ils sont au repos, donc prédisposés à écouter. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme à son habitude, il se balade dans les rues de Mina et il tombe sur un groupe de jeunes. Le mot jeune, on va le souligner, on va le mettre en gras. Il tombe sur un groupe de jeunes, ils étaient en nombre de 6. Sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, d'où vous êtes? Ils ont répondu, nous sommes un groupe de personnes de l'Khazraj. L'Khazraj, rappelons-nous, c'est l'une des deux tribus arabes qui résident à Al-Madina, à Yathrib à l'époque. Ils ont juste dit ça. Nous sommes un groupe de Khazraj. Nabi sallallahu alayhi leur dit, en forme interrogative, les alliés des juifs, Khazraj, ils disent, en effet. Nabi sallallahu alayhi leur dit, est-ce que vous pouvez vous asseoir et m'accorder un peu de temps? J'ai des choses à vous dire. Ben oui, ils sont assis. Et Nabi Samia commence à leur parler. Il leur a parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a parlé de qui il était, quelle était sa mission, ce à quoi il appelait, le vécu qu'il a eu jusque-là, ce à quoi il s'attendait de la part des gens, etc., etc. À la fin, il les a clairement appelés à croire en lui, à le suivre. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fini son exposé, la bande de 6, les jeunes, ils se sont regardés entre eux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Une phrase historique. Ils se sont regardés entre eux, ils ont dit « Wallahi, innahu » en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « innahu l'annabiyu alladhi tawa'adukum bihi yahoud » Ils se sont regardés entre eux, ils ont dit « Par Allah, c'est le prophète avec lequel les juifs n'ont cessé de nous menacer. » Pourquoi? Pourquoi ils ont dit ça? Et c'est quoi le rapport entre les juifs et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et l'Aous et l'Khazraj ici particulièrement? Fil Jahiliya, avant l'islam, à Yathrib, ce qui est devenu plus tard le Medina, on avait dit qu'il y avait l'Aous et l'Khazraj en tant que tribu arabe et les trois tribus juives. Alors, les juifs, ils étaient minoritaires du point de vue de la population et du point de vue du poids politique, de la gestion de la ville.
Donc c'est toujours un peu le, la population qui a le moins à dire, celle qui subit un peu la loi des deux autres tribus arabes, Aous et Khazraj. Et la différence, elle était à quel niveau? C'est que les Aous et Khazraj, ils n'avaient pas de religion, des païens, des polythéistes, etc. Les juifs, leur particularité, c'est qu'ils adoraient un dieu, ils avaient une religion, ils ont un livre, ils ont un prophète. Ils ont une ligne de conduite, etc. Alors les juifs, vous savez qu'est-ce qu'ils disaient à l'époque aux gens de l'Aous et Khazraj? Lorsqu'ils sentaient de l'injustice de leur part, ils leur disaient, en gros, attendons alors, souvenez-vous alors, souvenez-vous de tout ce que vous êtes en train de nous faire subir. Par Allah, le jour où Allah, subhanahu wa ta'ala, il enverra le dernier prophète, nous allons croire en lui et nous allons le suivre. Et sous son commandement, nous allons tous vous exterminer. Vous, Aous et Khazraj. Vous les païens. Pourquoi les juifs, ils ont dit ça? Pourquoi dans leur tête, le fait qu'eux suivent Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait aussi possibilité que Aous et Khazraj, ils le suivent? Mais non, justement. Parce que les juifs étaient persuadés, en tout cas, ce à quoi ils s'attendaient, c'est que ce dernier prophète-là allait être un des descendants de Sidna Ishaq, de Sidna Yaqub, alayhi salam. Donc il allait être juif comme eux. Donc ça va être un prophète pour les juifs. Donc pas de chance et pas de possibilité pour les païens, pour les arabes, de suivre ce prophète-là. Et de toute façon, toutes les misères que vous nous avez fait subir, nous allons vous les faire payer le jour où on suivra ce prophète, on vous exterminera. Allah Ta'ala, il a décrit ça. Dans Sourate Al-Baqarah, il a parlé de cet épisode-là, comme quoi yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Il disait aux mécréants de Medina, de Yathrib, le jour où le dernier prophète viendra, on le suivra et on vous tuera. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit déjà en parlant d'eux? Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Et le jour où ce à quoi ils s'attendaient, en tout cas, le prophète qu'ils attendaient, le jour où ce prophète-là, même pas eux, ils ont été chez lui. C'est lui qui est venu chez eux à Yathrib. Le jour où ce prophète-là, il est venu jusqu'à chez eux, kafaru. Donc Allah Ta'ala, il parle de cet épisode-là. Mais regardez, ces jeunes de Khazraj, ils se sont regardés entre eux, ils ont dit, par Allah, ça ne peut être que le prophète avec lequel les juifs n'ont cessé de nous menacer. La yasbiqunnakum ilayh. Faites en sorte, ils se parlent entre eux en tout cas, faisons en sorte, voilà. Faisons en sorte à ce que les juifs ne soient pas les premiers à croire en lui. Croyons en lui, nous en premier, avant que les juifs, en tout cas, ne mettent la main dessus, avant que les juifs ne croient en lui. Et ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette première motivation. Venez, on croit en lui, comme ça on devance les juifs. Venez, on croit en lui, pas que les juifs croient en lui avant nous. Et vous savez ce qui nous attend si jamais les juifs ils vont être les premiers à le suivre. Ben, voilà, leurs menaces, ils vont les mettre en exécution. Donc ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'ils ont dit juste après? Ils lui ont dit, ô messager d'Allah, nous avons chez nous à Yathrib un peuple déchiré, éclaté, par les querelles, par les embrouilles, par les guerres. On espère auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah puisse les unir par ta cause. Si Allah les unit par ta cause, fala a'azza minka. Il n'y a personne qui sera plus honoré que toi. Parce que l'Aous et le Khazraj, ce sont deux grandes tribus ennemies. Imaginez une seconde que ces deux tribus ennemies ne fassent plus qu'une seule force. C'est ça qu'ils sont en train de dire au professeur sallam. Rassure-toi. Si jamais l'Aous et le Khazraj soient unis sous ta tutelle, c'est fini. Quraysh, c'est fini. Mecca, c'est fini. Les tribus arabes, c'est fini. Tu seras à ce moment-là doté de la plus grande puissance militaire qui existe chez les Arabes. Sache que nous allons rentrer chez nous à Yathrib et nous allons parler à notre peuple de toi. Nous allons leur en parler de ce à quoi tu nous as appelé. Nous allons même les appeler à ce à quoi tu nous as appelé.
et nous allons les travailler et les prédisposer à ton message et à ce à quoi tu nous as invités aujourd'hui. Et nous te donnons rendez-vous l'année prochaine. La Hajj prochain, donc là on est à la 11e année. La 12e année, donc l'année suivante, nous reviendrons, inshallah ta'ala, et nous te donnerons rendez-vous ici même à Mina, pendant les jours de Tashriq. Salam alaikum, alaikum salam. Et ils sont repartis chez eux à Yathrib, ce qui est devenu plus tard Al-Madina. Alors sur cette entrevue-là, il y a beaucoup de choses à dire, subhanallah. Ce bref échange finalement, il n'a pas duré longtemps. Ce bref échange, il est porteur de beaucoup d'enseignements. Premier enseignement, et ce n'est pas la première fois qu'on le croise, cet enseignement dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est pas la dernière fois d'ailleurs, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, concrètement, ceux qui ont le plus soutenu son message, ceux qui ont le plus répondu à son message et adhéré à ses convictions et porté avec lui cette prophétie-là, principalement, ce sont les jeunes. Il y a une raison à ça. Ce n'est pas une coïncidence. La probabilité que ceux qui répondent positivement à un appel soient des jeunes, elle est plus élevée que la probabilité que ce soit des personnes un peu avancées dans l'âge. C'est une question de probabilité, on est d'accord. Il y a toujours des personnes âgées qui vont adhérer, qui vont supporter, et il y a toujours des jeunes qui ne vont pas adhérer. Mais concrètement, lorsque nous comparons les deux populations, les jeunes et les très âgés dans une nation, la prédisposition, la qualité primaire des jeunes, c'est qu'ils sont volontaires et prêts pour le changement. Quand je dis, ce n'est pas la première fois qu'on croise cet enseignement-là, souvenons-nous déjà des premiers musulmans. Si on exclut Khadija radiallahu anha, si on exclut les deux parents de Sidna Ammar, Soumaïa radiallahu anha, etc., si on exclut les parents d'Ammar et de Khadija, la quasi-totalité des musulmans avait moins de 40 ans. Même la grande majorité avait moins de 30 ans. La moyenne d'âge, elle était vers les 25 ans. Alors, si on enlève Sidna Abu Bakr radiallahu anha, il avait 38 ans au moment-là, Sidna Uthman 35 ans, tous les autres 22, 21. Zubair ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaidillah, Sa'd ibn Abi Waqqas, etc., etc., etc. Tous, ils étaient dans cet intervalle de 15-25. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est juste une coïncidence? Non, il y a des choses réelles, il y a des choses concrètes. La première, c'est que un jeune de 15 ans, de 20 ans, ben, au pire, il a 20 ans d'habitude dont il devra se débarrasser. Une personne de 60 ans, 70 ans, elle a 70 ans d'habitude. Vous arriverez facilement à instaurer un changement de vie chez quelqu'un qui n'a que 5 ans, que 10 ans, que 15 ans, que 20 ans d'habitude, que quelqu'un qui est très ancré dans ses habitudes sur 60 ans, 70 ans. On l'a dit, il y a des personnes âgées qui ont cru au prophète sallam, il y a des jeunes qui n'ont pas cru. Mais quand on regarde, c'est quand même quelque chose qui est frappant. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il en a accosté des gens. Il a parlé à des gens, il a invité des tribus à le soutenir, etc. Regardez l'épisode à Taif. Il s'est adressé à qui, sallallahu alayhi wa sallam? Aux dignitaires et aux responsables de Thaqif, qui sont quand même d'un certain âge. Pareil, rien du tout hermétique. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas adressé aux responsables de Yathrib. Il s'est adressé à des jeunes de Yathrib. Et des jeunes ont cette capacité à plus ou moins facilement abandonner leurs habitudes. On le voit. Allah subhanahu wa ta'ala nous en a parlé aussi chez les autres prophètes. فَمَا أَمَنُوا لَهُ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ En parlant de Sidna Moussa alayhi salam, n'ont cru en lui, Moussa alayhi salam, qu'une petite partie, ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ des jeunes de son peuple, pas les personnes les plus âgées. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Les jeunes doivent bénéficier d'une attention particulière. Bien sûr, il y a des inconvénients chez les jeunes. Manque d'expérience, ce volontarisme un peu, des fois qui peut frôler le caractère téméraire, etc. On est d'accord? Mais quand même, les jeunes, c'est une grande force. Ils ont besoin de quelqu'un de plus âgé pour canaliser cet enthousiasme qui peut virer à la téméraire attitude. Mais en tout cas, ils n'hésitent pas et ils sont beaucoup plus volontaires pour abandonner leurs habitudes.
Donc, dans notre effort de da'wa, dans notre effort de changement sociétal, etc., les jeunes, on doit leur accorder une place particulière, sans pour autant abandonner les personnes les plus âgées. Mais en tout cas, ceux avec qui on peut imaginer du changement, c'est bien entendu les jeunes. Donc ça, c'est la première des choses qu'on relève. Là encore, regardez, les jeunes. Et qui ont fait du bon boulot qu'on verra les semaines à venir, inshallah ta'ala. La deuxième chose moi, qui m'interpelle ici, elle est toute petite cette chose-là. Mais comme ça, du point de vue de l'enseignement. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à ses jeunes, d'où est-ce que vous êtes? Ils ont dit, nahnu nafarun min al-khazraj. Nous sommes un groupe de personnes de l'khazraj. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, amin mouali yahoud, êtes-vous parmi les alliés des juifs? Ils ont dit, oui, si, c'est nous. Il leur a dit, bah, asseyez-vous, est-ce que vous pouvez vous asseoir? J'ai des choses à vous dire. Regardez juste la phrase là, du professeur sallam. Faites-vous partie des alliés des juifs? Rien que la phrase là. Pourquoi le Nabi sallam l'a dit ici? Vous vous souvenez quand on avait parlé de Addas, le chrétien? Lorsque le Nabi sallam lui a dit, d'où est-ce que tu es Addas? Addas lui avait répondu, je suis de Ninawa, Nénuve. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que c'est la ville de cet homme pieux, Younus ibn Matta, alayhi salam? Vous voyez un peu la similitude? D'où est-ce que vous êtes? De l'Khazraj. Faites-vous partie des alliés des juifs? D'où est-ce que tu es? De Ninawa. Ne serait-ce pas la ville de l'homme pieux, Younus ibn Matta? Et tout de suite, il y a un changement dans l'interaction et dans l'échange entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses interlocuteurs. Qu'est-ce qu'il vient de faire ici, sallallahu alayhi wa sallam? Il vient de faire ce qu'on appelle un ancrage pour synchroniser la discussion avec ses interlocuteurs. Lorsque moi je vous dis, salam alaikum, je discute avec vous, je vous dis, salam alaikum, mais d'où est-ce que vous êtes? Vous me dites, moi je suis de Bruxelles, je suis de Montréal, je suis de Paris, je suis de Marseille, je suis de Casa, je suis d'Alger, peu importe. Et lorsque vous me dites votre ville d'origine, et que moi je vous dise, ah bon, ce n'est pas la ville où il y a ceci, où il y a cela, etc., etc. Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Franchement, sincèrement et honnêtement. Il y a tout de suite une relation amicale qui s'instaure instantanément. Ah, il connaît. Ce n'est pas un étranger. J'ai au moins un point commun avec cet homme. Moi, je suis marocain. Vous allez me parler d'Alger. Je vais vous dire peut-être la seule chose que je connaisse d'Alger. C'est possible. Hein? Je ne suis pas un Algérois. Je ne connais pas les rues d'Alger. Je ne connais pas grand-chose. Les 3-4 petites choses que je connais, ben, je vais vous les sortir. Ah, vous êtes d'Alger? D'où? Ah, moi, je connais ça, je connais ça, je connais ça. J'ai été là. Voilà. Et tout de suite, ben vous allez oublier que je suis marocain et vous allez oublier que vous allez oublier tout le reste. Tout ce sur quoi vous allez vous focaliser au moment-là, c'est que vous avez au moins ça en commun avec moi. Je connais des choses d'Alger. Vous êtes chinois, je vais vous dire une phrase en chinois. La seule que je connaisse, ça se trouve. Mais sur le coup, le chinois à qui je vais dire une phrase en chinois, ben, il se doute bien que je ne suis pas chinois, ça se voit déjà physiquement. Mais lorsque je vais lui dire une phrase en chinois, bonjour en chinois, merci en chinois, je suis content de te rencontrer en chinois, ben, tout de suite, qu'est-ce qu'il va dire? Ben, j'ai au moins ça en commun avec lui. Et ça, subhanallah, lorsque vous regardez la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en a des centaines, des situations où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'intéresse à l'individu. Comment tu t'appelles? D'où est-ce que tu es? De quelle tribu? Et instantanément, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il tisse un lien communicationnel puissant. Et tout de suite après, l'échange, il prend une autre dimension. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ici, bien sûr, il n'a pu faire ça que parce qu'il avait des connaissances. Vous n'allez pas vous aventurer dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'aventure dans ce qu'il connaît. Mais par quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il connaît ça? Par sa connaissance géographique, par sa connaissance historique, par sa connaissance culturelle. Culturelle. Je sais qu'il y a une ville qui s'appelle Yathrib, où cohabitent des tribus arabes, des tribus juives. Je connais la situation politique, hein, carrément. Je sais que ce sont les Arabes qui dominent un peu la vie politique dans cette ville-là. Et je sais qu'il y a des contrats commerciaux et des pactes entre les juifs et les arabes, etc. Je suis au courant de tout ça. Mais au moment où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était au courant de tout ça,
il ne savait peut-être pas à quoi ça allait lui servir à l'avenir. Voilà, une occasion. Des gens du Yathrib, je vais leur montrer que je connais deux, trois petites choses à Yathrib. Et encore, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, vous savez, il a juste dit ça. Il aurait pu dire beaucoup de choses. Il aurait pu dire, ah bon, c'est la ville de Khouali. Les frères, mes oncles maternels. Il aurait pu faire valoir ça. Il aurait pu dire, ah bon, mon père est enterré là-bas. Il aurait pu mettre le paquet, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il aurait encore plus dominé ces jeunes-là. Pour leur faire, pour créer ce lien-là. Ah, Yathrib, j'y étais quand j'avais 5 ans. Quand j'avais 6 ans. J'y étais quand j'avais 6 ans, j'avais visité la tombe de mon père avec ma mère. Il aurait même pu dominer autrement. Et sur le chemin du retour, ma mère est tombée malade et elle est morte. On aurait pu mettre des émotions et là, il aurait dominé encore plus grandement. Mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas nécessaire, je veux dire. Lorsque le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aura juste dit ça, est-ce que vous faites partie des alliés des Juifs? Automatiquement, ben, ils ont porté une attention à ce qu'il allait leur dire. Et ça, le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam l'a très bien capté. On l'a vu avec Adès, on le verra plusieurs fois dans Sira. Mais l'enseignement ici, c'est quoi? C'est que lorsqu'on fait da'wah, on n'a pas le choix. On est tenu d'en savoir beaucoup plus sur nos interlocuteurs. Pas énormément, mais au moins un minimum qui va faciliter l'échange. Un minimum de synchronisation verbale, linguistique. Un minimum de synchronisation culturelle. Je vais m'intéresser à certains aspects de votre culture. Je reçois des Chinois chez moi, ben le jour-là, je vais faire un effort culinaire, je vais préparer un bon plat chinois et on va se mettre dans des conditions plutôt chinoises. Lorsqu'ils viendront chez moi, ça va les marquer, ça va synchroniser, ça va automatiquement créer un pont amical et positif. Ils seront plus enclins et plus prédisposés à entendre et à écouter ce que j'ai à leur dire. Et ça, vous le voyez, subhanallah, les entreprises, elles le comprennent parfaitement. Des entreprises américaines, des entreprises françaises, etc. Lorsqu'ils reçoivent des entreprises japonaises et le soir, quand ils les invitent au resto, ben, y a un effort d'adaptation, ne serait-ce que linguistique. On va apprendre le minimum de convenances sociales. On va faire attention à ne pas les choquer culturellement. On ne fait pas la bise, on ne serre pas la main parce que ça peut vous faire rater un contrat. Et vous savez, il y a même des cabinets d'expertise et des cabinets de conseil. Ici en France, par exemple à Paris, j'en connais certains, il y a des cabinets experts dans les relations interculturelles dans les entreprises. Vous êtes une entreprise française, vous êtes en train de vous attaquer à un contrat en Corée du Sud, au Japon et en Chine, ben on va vous suivre sur le plan de l'interculturalité. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas dire? Et comment augmenter vos chances d'aboutir dans vos négociations commerciales? Pourquoi les entreprises ils le font? Parce qu'ils ont un intérêt derrière. Ça peut leur faire rater des contrats à plusieurs milliards d'euros et de dollars. Pourquoi le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam il le faisait? Parce que il avait un intérêt énorme. C'était que les gens répondent positivement à son appel. On peut dire que c'est aussi un contrat. D'ailleurs, le Bay'a, l'allégeance qui va venir l'année 12 et l'année 13, etc. Elle est dans cette logique-là. Je cherche des partenaires. Je cherche à faire signer des contrats aux gens. Croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, croyez en moi et vous aurez en échange ceci, ceci, cela, le paradis, etc. Donc il y a quand même une notion ici de négociation. Et on essaie d'augmenter nos chances de réussite et d'aboutissement. L'un des facteurs qui aide dans cette démarche-là, c'est la synchronisation avec les gens auxquels vous vous adressez. C'est quelque chose de très connu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais hésité à le faire. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on peut me dire, oui, mais lui, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala, il lui a donné la connaissance des peuples. Il lui a peut-être donné la connaissance des cultures. Il lui a même donné peut-être la connaissance de certaines variations linguistiques en fonction des dialectes, etc. Alors moi, je ne suis pas obligé de tout connaître. Je ne suis pas obligé de savoir parler un minimum toutes les langues du monde, etc. etc. Ben, je vais vous dire, si, ben, on est quand même obligé. Lorsque moi, subhanallah, je ne sais pas si ça vous est arrivé, lorsque vous allez dans des endroits touristiques, alors je vais vous donner un exemple qui est très connu. J'aime Alfna à Marrakech. Lorsque vous voyez des jeunes de 15 ans, des jeunes de 16 ans qui ont quitté le système scolaire, subhanallah, qui ont quitté le système éducatif traditionnel, vous les rencontrez à Jemaa el Fna, ils parlent couramment, 3, 4, 5 langues, et ils ont des connaissances dans 10 langues. Comment ils ont fait?
Et surtout, pourquoi il l'en fait? Mais c'est parce qu'il y a un intérêt. À la base, moi, je ne connaissais rien du tout au japonais ou au chinois. Mais il y a des touristes chinois, il y a des touristes japonais. Donc, je m'y mets. La motivation, elle est très subarmante. Elle est très financière. Alors, comment celui qui a comme motivation la vie dernière, pourquoi lui, il n'userait pas des mêmes processus et des mêmes procédés? Lorsque moi, je sais qu'en face de moi, ben, j'ai des gens, ben, je m'y intéresse un minimum. Et par quoi je m'y intéresse? Par l'ouverture culturelle. Moi, je m'intéresse aux gens. Je discute avec les gens. Comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez quoi? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa connaissance, mais il ne l'a pas acquise uniquement par l'ouahi, par la révélation. Il l'a acquise en grande partie par le contact avec les gens. N'oubliez pas que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un commerçant. Et qu'il a passé 40 ans à Mecca avant d'être prophète. Et que Mecca, c'est quand même un grand centre commercial. Et qu'il y a des commerçants qui viennent d'un peu partout. Mais Nabi Shamsim, c'est quelqu'un de très ouvert. D'où vous êtes, etc. Comment c'est chez vous, tout ça? C'est quoi cette marchandise? Comment vous l'appelez chez vous? Nous ici, on l'appelle comme ça. Peut-être il y a d'autres noms. Ça veut dire lorsque Nabi Shamsim, il reçoit par exemple des commerçants syriens. Il discute avec eux. Comment vous appelez ça chez vous en Syrie? Ben nous, on l'appelle comme ça. La prochaine fois, lorsque Nabi Shamsim recevra des commerçants syriens, ben, il a cette connaissance, il va créer ce contact-là. Salam alaikum, aujourd'hui je vous propose la marchandise-là en la nommant avec le nom syrien. Automatiquement, donc, c'est ça le bi'ushra, c'est ça la vie sociale, c'est ça les interactions. Tu interagis avec quelqu'un, c'est vrai qu'au moment-là, tu n'as pas beaucoup de connaissances, mais il va t'en apprendre sur sa culture, sur son pays, etc. Ben, ça, c'est du gagner. La prochaine fois, moi, j'ai un ami chinois qui est avec moi à la fac, par exemple, ben, je vais lui demander, ça, comment vous dites chez vous? Quel est votre plat national? Qu'est-ce que vous mangez les week-ends? Le matin, qu'est-ce que vous mangez? Lorsque vous avez un mariage, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ouais, je m'intéresse. La prochaine fois, je vais rencontrer un chinois, j'ai déjà en ma possession des armes. J'ai en ma possession des connaissances. Peut-être je les ai acquises la veille, mais le chinois du lendemain, lui, il n'en saura rien du tout. Il va dire, ouais, c'est mal, il connaît. Donc ça, c'est quelque chose, je suis sûr que vous l'avez déjà expérimenté. L'idée aujourd'hui, c'est quoi? Ce que nous faisons un peu accidentellement de temps en temps, lorsque, moi, une fois, j'étais à Stockholm, en famille, et le jour-là, subhanallah, le jour du retour, on a croisé deux frères marseillais. Moi, je ne suis pas marseillais. J'ai été une fois à Marseille vite fait. Et encore le jour-là, je n'avais encore jamais été à Marseille. Mais lorsque deux Arabes se sont rencontrés à Stockholm, il y a eu quand même des pans de vous êtes de France. Ouah, nous aussi. Pourtant, vous le savez tous, moi j'habite ici, je suis frontalier avec l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. Je n'ai rien à voir avec Marseille. Ça veut dire que j'aurais rencontré un Marseillais à Toulouse. Il ne se serait jamais senti proche de moi. Mais puisqu'on s'est rencontrés à Stockholm, ben ça crée des liens. Vous êtes de France, t'es marocain, ah moi je suis algérien, à l'Algérie je connais, un marocain j'ai un ami algérien, mon beau-frère il est marocain, etc. Et ça crée des liens automatiquement. Ce sont des choses qu'on fait accidentellement, j'ai envie de dire. L'idée aujourd'hui c'est quoi? C'est qu'on ne va pas les faire accidentellement, on va les faire consciemment. On va les faire délibérément. On va les faire avec toujours cette arrière-pensée, on ne sait jamais. Ça se trouve, ça va me servir un jour. Demain, aujourd'hui, moi, je discute avec un japonais, mais qu'est-ce que j'en sais? Ça se trouve, dans un an, dans deux ans, ça se trouve, je vais rencontrer des japonais dans un contexte où je devrais leur parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si j'ai des petites connaissances, ben, je m'en servirai. Donc là, concrètement, pour moi, il y a un travail à faire. Lequel? L'ouverture culturelle. Je m'intéresse à tout. En fait, parce que ne sous-estimez rien du tout. Ne vous dites pas, mais ça sert à rien. Ça peut servir un jour. Et de toute façon, le musulman, il est toujours dans cet effort d'accumulation de connaissances. Quoi qu'il arrive, dès lors que nous, on acquiert ces connaissances-là, avec cette intention en tout cas, peut-être qu'un jour, inshallah ta'ala, je serai amené à appeler des Chinois à Allah subhanahu wa ta'ala. Ben, le jour-là, ben, je serai bien content de savoir deux, trois petites choses. Lorsqu'on apprend et lorsqu'on s'ouvre culturellement avec la niya, avec l'intention de s'en servir si l'occasion s'offre à nous, s'en servir pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben même si ça n'arrive pas, ben je suis quand même récompensé. C'est ça qui est extraordinaire. On arrête cet enfermement culturel, cet isolement culturel qui fait que je ne m'intéresse qu'à ceux qui sont comme moi. Non, non, l'islam, il est universel. Et cette universalité-là, ben, elle doit se manifester
entre autres, dans nos centres d'intérêt. Et le premier pas est l'ouverture que nous on fait envers toutes les cultures du monde. Ça, ce sont les deux aspects que je voulais faire ressortir aujourd'hui. On reviendra longuement sur le début de l'islam dans l'Ansar. De toute façon, la 11e, la 12e et la 13e année, on restera dessus facilement 5, 6, 7 épisodes, inshallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.